Bonsoir. Bonsoir ou bonjour selon vos positions. On va partager le direct. On va partager le direct. Et puis, on va aller le mettre dans tous les groupes. On va partager les directs, partager les directs, famille. Bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Je voudrais. On va partager le direct. On va partager le direct et puis on va aller le mettre dans tous les groupes. Voilà. Alors, Afissata Ouattara, bonsoir. Merci d'être présente. On va taguer, on va taguer, on va taguer. On va taguer, on va le mettre dans les WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi c'est ce WhatsApp-là qui se met ici. OK. Bon, c'est pas grave. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous ici présents. Ismaël Touré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, famille. Vous savez qu'il y a longtemps, je n'ai pas fait les directs, donc il faut partager le direct là. Il faut taguer les amis, il faut taguer les parents parce qu'il faut que les Ivoiriens comprennent des choses. Et comme vous savez que, comme moi je suis en direct, c'est pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de tout le monde. Donc il faut se connecter, il faut partager le direct. Et puis, nous allons aller pour la sensibilisation, mais surtout pour mettre à nu le mensonge de nos adversaires politiques. Oui, nous sommes obligés de les appeler les adversaires politiques, quand bien même que nous savons qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais nous allons les appeler comme ça. Il faut partager le direct, il faut partager le direct, famille. Voilà, il faut partager le direct, c'est important. Ensemble, nous allons sauver le peuple des Côtes d'Ivoire. Et donc, on va partager le direct. Bonsoir à vous tous. Bakayoko Zoom, bonsoir. Mélèche Silué, bonsoir. Qui d'autre? Kofi Nguesson, bonsoir. Il faut taguer les gens, il faut taguer les gens. Je ne sais pas comment faire pour voir tous vos commentaires. Mais en tout cas, il faut taguer, il faut mettre des cœurs. Kamara Sekouba, bonsoir. Alors, déjà, nous allons féliciter la Côte d'Ivoire pour sa 64e anniversaire d'indépendance. Nous avons assisté à cela. C'est une très, très. Ça a été une très belle fête. Ça a été une très belle réussite. Et nous allons féliciter le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour tous ses efforts, pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire ait cette belle image. Nous avons vu cela hier. Sauf les aveugles n'ont pas vu ce qui s'est passé. Oh, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mamoun, je t'appelle après mon direct. Je suis en plein direct, s'il te plaît. Merci. Et donc, nous allons faire ce direct-là pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Et comme je disais, nous avons assisté hier à la fête de l'indépendance où le président de la République, le chef suprême, n'est-ce pas, Son Excellence Alassane Ouattara, a déployé, on va dire ça comme ça, hein, un minimum d'arsenal que nous avons en notre possession, nous, peuple des Côtes d'Ivoire, nous, État ivoirien, c'est ça, pour faire face à toutes sortes d'éventualités.
Et donc, nous voulons féliciter le président de la République. Nous voulons apporter notre soutien au président. Nous voulons encourager encore le président de la République. Mais surtout, nous voulons porter des prières pour que le président de la République se porte bien, enfin, de continuer de œuvrer pour la bonne image de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous. C'est vrai que je n'ai pas vraiment le temps parce que je suis encore en Côte d'Ivoire et je mène beaucoup d'actions, ce qui fait que je suis en province, je ne suis pas trop dans la capitale. Mais aujourd'hui, ça va. Hier, nous avons ensemble regardé la fête de l'indépendance. Moi, j'y étais. Et aujourd'hui, on avait préparé un direct pour répondre, n'est-ce pas, aux militants du PPACI qui a participé, n'est-ce pas, au débat télévisé de NCI 360 dirigé par M. Ali Diarasouba. Nous allons apporter un éclairci au peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons expliquer les choses aux Ivoiriens, de sorte que chaque Ivoirien, en toute responsabilité, prenne la décision, et la bonne d'ailleurs, la bonne décision pour la bonne marche de la vie de Côte d'Ivoire, la vie en Côte d'Ivoire. Et donc, vous allez me taguer ici, tous les gens du PPACI que vous connaissez, tous ceux que vous pouvez imaginer, mais surtout ce monsieur Lago, voilà, Lago, je ne sais pas comment il s'appelle là, alias Steve Biko. Pas Steve Biko de la Mauritanie, parce que Steve Biko de la Mauritanie, aujourd'hui, il siège maintenant à la MACA. Mais nous parlons de Steve Biko, qui est membre du PPACI, du parti politique de M. Laurent Gbagbo, PPACI. On va le taguer ici, écrivez son nom. Il s'appelle... Attendez, je vais aller chercher son nom, parce que c'est important de dire les noms des gens. Il ne faut pas écorcher les noms, ce n'est pas bon. Ça frise la foutaise. Et donc, on va aller regarder son nom. Il s'appelle Lago Fabrice, alias Steve Biko. Il s'appelle Lago Fabrice, alias Steve Biko. Famille, faites monter le mercure parce que nous allons commencer le direct. Comme je vous disais, il y a longtemps que je me mets là pour faire des directs. Donc, ce qui fait que ma page officielle où je suis en ce moment a un gros coup de visibilité. Ma page est tout à fait au rouge, ce qui est normal parce que pour que la page soit au bleu, il faut que tu fasses, il faut faire régulièrement, n'est-ce pas, des directs, il faut animer la page. Mais comme je vous expliquais tantôt, je suis encore à Babi et on ne peut pas être partout. Et donc, je ne fais pas assez les directs. Par contre, je peux de temps en temps intervenir, comme aujourd'hui. Donc, je vous demande de sécuriser le direct et je vous demande de faire le maximum, maximum, maximum de partage pour que la page monte un tout petit peu. Et donc, aujourd'hui, autant que vous êtes, je voudrais vous saluer et vous souhaiter une très bonne santé, mais surtout la paix chez vous à la maison. Alors, nous allons parler. L'actualité politique, n'est-ce pas, ivoirienne du moment est marquée par... le voyage donc de M. Kone Katina au Burkina Faso. Et c'est de ça que nous allons parler. En vérité, ce n'est pas le voyage en lui-même qui pose problème aux Ivoiriens, à une partie des Ivoiriens bien sûr, mais plutôt le contenu du discours de M. Kone Katina qui était empreint de manipulation. Et comme nous avons dit que ici, là, nous allons œuvrer pour que le peuple de Côte d'Ivoire ne soit pas manipulé, ne soit plus manipulé. Et donc, nous allons apporter un éclairci à tout ce qui s'est dit sur le voyage de M. Kone Katina, où nous portons encore quelques réserves, parce que nous savons que ce voyage-là n'est pas un simple voyage, comme on veut nous faire croire, le PPACI, mais plutôt, il y a autre chose derrière. Mais le temps que nous allons en profondeur pour trouver vraiment les raisons pour lesquelles M. Kone Katina a fait son déplacement au Burkina, en cette période-là, dans la période où le putschiste Ibrahim Kakao menace tout le temps la Côte d'Ivoire, agresse verbalement la Côte d'Ivoire, nous allons comprendre pourquoi Kone Katina est allé là-bas. Mais pour l'heure,
Nous allons nous concentrer sur ce qui a été dit et nous allons faire le décryptage et apporter la lumière au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et comme je vous disais, la manipulation ne passera plus. Est-ce que c'était le bon moment pour un politicien, donc ivoirien, d'aduber le putschiste, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré, qui accuse ouvertement la Côte d'Ivoire de servir de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. Voici les premières questions que nous devons nous poser. Il faut, famille, il faut partager le direct. Il ne faut pas vous arrêter de protéger le direct parce que, voilà, l'audience baisse. Déjà, nous n'avons pas une grande audience, mais il faut continuer de faire le partage. Donc, la bonne question que nous devons nous poser, nous, peuple des Côte d'Ivoire, nous qui souhaitons tant la paix et nous qui apprécions les avancées que mène la Côte d'Ivoire en matière de développement, la question que nous devons poser, est-ce que c'était le moment que M. Kone Katina effectue donc ce voyage-là au Burkina Faso, tout en sachant que le putschiste, M. Ibrahim Traoré, n'arrête pas d'accuser la Côte d'Ivoire d'être une base arrière pour déstabiliser donc le Burkina Faso. Donc, le dimanche dernier, ce voyage a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un débat sur la chaîne de télévision NCI 360 animé par le talentueux journaliste Ali Diarasouba, à qui je fais d'ailleurs un clin d'œil, cher frère. J'ai suivi ce débat, n'est-ce pas, avec beaucoup de passion. J'ai trouvé que le représentant donc du PPACI sur le plateau, du nom de Fabrice Lago alias Steve Biko, le dactylographe, comme on a l'habitude de l'appeler, le dactylographe de Stéphane Kipré, était vraiment de mauvaise foi. Et vraiment, quand je dis il était de mauvaise foi, il était vraiment de mauvaise foi. Et je vais vous démontrer cet après-midi pourquoi j'ai dit que Fabrice Lago, qui représentait le PPACI, était vraiment de mauvaise foi sur cette émission-là de NCI 360. Il était vraiment de mauvaise foi pour argument principal, j'allais dire. Il dit que les éloges du putschiste Ibrahim Traoré à l'endroit de M. Laurent Gbagbo, était, comment on l'appelle, devait expliquer le voyage donc de Kone Katina au Burkina Faso. Pour Fabrice Lago, militant du PPACI, le fait que M. Ibrahim Ouattara ait félicité M. Laurent Gbagbo ou ait fait une communication où il a adubé l'ex-président M. Laurent Gbagbo, était une bonne raison pour eux, PPACI, que M. Kone Katina, représentant donc de M. Laurent Gbagbo, aille au Burkina Faso. Alors, ce voyage, vous savez comme moi, renferme beaucoup, je dis bien beaucoup de zones d'ombre et de vices cachés. Mais en attendant de découvrir tout cela, en attendant d'avoir plus d'éléments pour vous informer, j'ai décidé donc de répondre aux déclarations de M. Fabrice Lago alias Sibiko, dit le dactylographe de M. Stéphane Kipré. Mais bien avant, je vais vous faire réécouter la déclaration d'éloge du putschiste M. Ibrahim Traoré à l'endroit donc de M. Laurent Gbagbo. Les médias menteurs nous ont menti encore. Ouais. Nous ont menti. On salit. Ils ont encore sali la réputation de M. Gbagbo en nous poussant à le détester. Ben oui, parce que c'est ça. En nous poussant à le détester. Et c'est ce qu'il disait M. Ibrahim, que les médias on salit le nom de M. Laurent Gbagbo dans le but de le faire détester par le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons écouter ensemble cette vidéo de M. Ibrahim. Et puis, on va poursuivre notre direct pour expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire parce que c'est ce qui est important. Il faut que le peuple sache de quoi il est question
Pourquoi donc M. Kone Katina agit de la sorte pour que nous puissions avancer? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons regarder cette vidéo-là, là, malheureusement, sur mon téléphone, parce que sur l'ordi, cette vidéo-là ne passe pas. Depuis tout à l'heure, je fais mes épiés. On va la regarder ici, et puis les autres vidéos, nous allons vous présenter un écran plus large. On va écouter la vidéo, donc, de M. Ibrahim Kakao, c'est-à-dire le putschiste du Burkina Faso, en train de faire les éloges de M. Laurent Gbagbo. On va écouter. Des mensonges. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information. Pause! Il dit, nous, notre génération, là, qui n'a pas détesté M. Laurent Gbagbo? Que les médias ont diabolisé M. Laurent Gbagbo. Les médias ont menti sur Laurent Gbagbo. Les médias ont fait de sorte que les Africains que nous sommes, la jeunesse que nous sommes, nous détestons M. Laurent Gbagbo. Tout simplement, Ibrahim Kakao, le putschiste burkinabé, est en train de dire à l'opinion nationale et internationale que le Burkina Faso, sous la gouvernance, la gérance de la Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo, le Burkina n'avait pas de conflit avec la Côte d'Ivoire. Et que les Burkinabés se sentaient très bien en Côte d'Ivoire. C'est ça le message d'Ibrahim Kakao. Il dit par ailleurs, c'est la manipulation des médias qui ont fait que les gens doutaient que M. Laurent Gbagbo aimait les Burkinabés. Chers Ivoiriens, nous allons aller pas à pas parce que ce direct-là, il est très intéressant. C'est pour ça que j'insiste pour vous dire de continuer les partages. Ma page est très, très en défaveur parce que je ne fais pas de direct. Donc, je compte sur vous pour partager ce direct-là parce que nous allons faire la démonstration du mensonge. On va mettre le mensonge à nu. Le mensonge de faire croire au monde entier, de faire croire à l'opinion nationale et internationale que M. Laurent Gbagbo avait de très bons rapports avec le peuple burkinabé quand il était président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, je vais continuer de vous faire écouter la vidéo de Ibrahim le putschiste. Et puis, on va avancer. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, le monde... Jeunes Afriques, ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent et vous donnent l'information comme ils veulent. Voilà. Voilà. Vous avez tous écouté ici les propos de monsieur le putschiste du Burkina Faso qui est en train de dire au monde entier que ce sont les médias des chaînes internationales qui ont diabolisé Laurent Gbagbo. Et que en fait, M. Laurent Gbagbo était la meilleure personne qu'il fallait à la Côte d'Ivoire et donc qu'il fallait à l'Afrique. C'est ce que Ibrahim, le putschiste, est en train de dire au monde entier. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, continuez de partager le direct. Nous allons aller dans le développement, n'est-ce pas, de mon émission de ce soir. Alors, la première question en tant que jeune, en tant que citoyen ivoirien, la première question que nous devons nous poser, la première question que le journaliste M. Ali Diarra Souba a donc posée à tous les participants donc sur le plateau était: que pensez-vous du voyage de Kone Katina au Burkina Faso? Et donc à cette question, M. Fabrice Lago alias
Steve Biko dit, le dactylographe de M. Stéphane Kipré, répond en disant, M. Kone Katina s'est rendu au Burkina Faso sur invitation. Il dit bien sûr invitation de la société civile. Nous allons tous ensemble écouter les propos donc de ce jeune homme. Et puis après, on va poursuivre notre développement pour que les Ivoiriens comprennent où est-ce que je veux vous emmener et ce que je veux vous faire réaliser en fait. Donc nous allons aller écouter ça, cette vidéo-là, tous. Fabrice Lago, comment réagissez? Allez, moi j'ai écouté difficilement Maître Meïté. Pourquoi difficilement? Parce que j'étais en droit d'attendre que l'on me dise quelles sont les infractions dont M. Kone Katina s'est rendu coupable. Et je pense que c'est une tempête dans un pays. Personne n'a parlé d'infraction, on parle de polémique. Oui, parce que je dis, on a rappelé ici, Kone Katina n'est pas allé au Burkina à l'invitation du gouvernement burkinabé. C'est l'organisation de la société civile qui veut décerner un prix au président Laurent Gbagbo, donc qui invite le président Laurent Gbagbo, qui s'est fait représenter par M. Katina. Voilà. M. Fabrice Lago, il ment publiquement pour dire à l'opinion nationale et internationale que M. Kone Katina est allé au Burkina Faso sous invitation d'une certaine société civile imaginaire. Pourquoi je dis une certaine société civile imaginaire? Parce que, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, peut-être que Steve Biko, le dactylographe donc de Stéphane Kipré, il ne suit pas l'actualité. Ou bien il veut se foutre, n'est-ce pas, de l'intelligence du peuple de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, ce n'est pas du tout vrai. Ce monsieur Lago Fabrice, alias Steve Biko, comme tu es devenu, on va dire ça comme ça, tu es devenu un apprenti menteur comme tes mentors, donc tous ceux qui vous dirigent là-bas, là-haut, Stéphane Kipré, ta manipulation et ta roubladise ne passeront pas avec moi, Solin Seri. Oui, oui. Le putschiste, M. Ibrahim Traoré, que vous voulez défendre ou que vous défendez aujourd'hui ou que vous soutenez aujourd'hui, est un manipulateur lui aussi. Mais ce que Steve Biko ne sait pas, M. Ibrahim Traoré a pris, je dis bien, a pris un décret pour dissoudre toutes les associations dites sociétés civiles, c'est-à-dire même les associations au Burkina, des sociétés civiles au Burkina Faso. Je reprends. Fabrice Lago, qui nous dit ici sur le plateau de NCI que M. Kone Katina serait allé, n'est-ce pas, au Burkina Faso sous invitation, sous invitation d'une certaine société civile. Fabrice Lago a oublié que moi, Solin Seri, je suis sur les réseaux sociaux. Quand tu mens, là, moi, je viens t'apporter la délivrance de la vérité. Fabrice Lago, alias Steve Biko, monsieur le dactylographe de Stéphane Kipré, monsieur Ibrahim Traoré, le putschiste du Burkina Faso, a pris un arrêté. Oui, pour dissoudre toutes les associations des sociétés civiles au Burkina Faso. Peut-être que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, moi je te l'annonce, je te dis, je t'instruis là-dessus. Mes chers followers, et quand je dis ça, c'est parce que j'ai des preuves. Nous allons suivre ici la preuve que monsieur le putschiste Ibrahim Traoré a dissous tout ce qu'on appelle association des sociétés civiles. On va regarder ça. Donc ça, c'est un premier mensonge de Steve Biko Mortani. Nous allons regarder ça tous ensemble. Elles font partie des toutes premières décisions prises par le MPSR2 aux premières heures du coup d'État de ce 30 septembre. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. Est-ce que vous avez entendu, chers Ivoiriens, est-ce que vous avez entendu? On va reprendre la vidéo pour éclairer la lanterne de Steve Biko, le dactylographe de Stéphane Kipré. On va reprendre ça pour lui parce qu'il n'est pas, informé. Donc, on va lui dire, voilà ce qu'il en est.
Elles font partie des toutes premières décisions prises par le MPSR2 aux premières heures du coup d'État de ce 30 septembre. 7. Toute activité politique est suspendue. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. Voilà. Toute activité de la société civile est suspendue. Toute activité des partis politiques est suspendue au Burkina Faso. Donc, d'où vient que c'est une société civile qui invite M. Kone Katina à aller au Burkina Faso en ces temps qui courent là. Chers Ivoiriens, quand je vous fais cette démonstration, c'est tout simplement pour vous dire que si Biko, il a tellement été bien enseigné par ses maîtres, c'est-à-dire les manipulateurs et les menteurs en politique, qu'il s'est senti à l'aise de venir mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Mais il a oublié qu'en face, il y a Solène Seri, qui ne parle pas beaucoup, mais qui regarde tout, qui sait tout, et qui est tranquille, parce que je suis occupée. Voilà. Mais cet après-midi, il fallait faire ce direct-là. Puisque très bientôt, ils vont faire encore une autre émission pour le décryptage de la fête de l'indépendance des Côtes d'Ivoire. Et donc, c'était important. C'est important que je vienne éclairer la lanterne des Ivoiriens. Alors, mes propos vont être confirmés par l'une des actrices de la société civile du Burkina Faso. Quand je vous ai montré cette vidéo-là, il y a une actrice de la société civile du Burkina Faso. Elle s'appelle Safiatou Zongo Lopez. Et elle va nous dire que les organisations de la société civile sont interdites au Burkina Faso. À partir de celles qui sont, n'est-ce pas, à part celles qui sont financées et sous les ordres du putschiste Ibrahim Traoré, il n'y a aucune autre société civile qui fonctionne au Burkina Faso. Et donc, si Fabrice Lago nous dit que c'est une société civile qui a invité M. Kone Katina, il y a deux choses. Soit Fabrice Lago n'est pas informé qu'il n'y a plus de société civile qui fonctionne au Burkina Faso, raison pour laquelle je vous ai fait écouter la vidéo où le putschiste a pris un arrêté pour mettre fin aux activités des sociétés civiles. Mais s'il insiste et qu'il veut nous apporter une preuve, comme l'a dit cette actrice de la société civile, il n'y a que les sociétés civiles qui sont favorables et financées par le putschiste Ibrahim Traoré qui fonctionnent au Burkina. Donc, laquelle des sociétés civiles a invité M. Kone Katina au Burkina Faso? Voici les vraies questions qu'il faut que nous nous posons. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter ici cette actrice de la société civile, nous expliquer les choses, et puis après, nous allons aller en profondeur dans notre développement pour que vous compreniez mieux les choses. On va écouter la vidéo ensemble. D'ailleurs, il faut reconnaître que Ibrahim Traoré, quand il est venu, depuis qu'il est venu, il a suspendu toutes les activités des organisations de la société civile et des partis politiques. C'est ça. Aujourd'hui, seules les personnes qui acclament Ibrahim Traoré ont le droit de manifester, ont le droit d'organiser quoi que ce soit, ont le droit de mener des activités de la société civile. Aucune autre personne n'a le droit. Eux, chaque 2 semaines, 10 jours, ils sortent, ils les financent et ils sortent. Ils font des choses, ils disent qu'ils soutiennent la transition. Je suis désolée. Vous ne parlez pas au nom de toute la société civile. Hein. Je suis désolée parce que toute la société civile qui est reconnue, que ce soit au niveau national et international, aucune personne n'a le droit de mener une activité des organisations de la société civile. Donc je voudrais à travers cette vidéo leur dire, si vous voulez faire votre affaire là, faites votre atalakou à Ibrahim. De toute façon, c'est lui qui vous a donné l'autorisation de tout faire, d'insulter tous ceux qui et dénoncent et qui critiquent et de menacer tout le monde. C'est lui qui vous a donné la place de la révolution, qui est une place où personne n'a le droit d'aller s'installer en dehors des militaires. Une place, pour y aller, il y a des conditionnalités. Pour y avoir accès, il faut demander l'autorisation du maire central de Ouagadougou et du chef d'état-major général des armées. Vous y dormez
ils vous financent, vous faites tout ce que vous voulez, vous menacez tout le monde, vous parlez comme vous voulez, vous insultez les gens, vous prenez les réseaux en otage. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, Safiatou Lopez Fafie Zongo, je vous dis clairement aujourd'hui, vous n'allez pas, moi je ne me reconnais pas dans les actions que Ibrahim Traoré fait. Depuis que Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il enlève des gens. Il a formé une équipe de militaires encagoulés qui enlèvent des citoyens. C'est ça. Qui enlèvent des citoyens chez eux. Sur la route, vous avez vu le député Nijama qui avait été arrêté. Vous avez vu comment il a dit qu'on l'a arrêté. Il a expliqué comment il a été arrêté à Ouagadougou après la prière où on l'a arrêté. On l'a enlevé avec son protocole. Donc je voudrais vous dire une chose. Vous avez choisi de suivre le mensonge. Suivez le mensonge, mais ne prenez pas nous nos noms là, allez suivre votre mensonge là. Parce que je ne me reconnais pas. En tant qu'organisation, en tant que membre des organisations de la société civile, je ne me reconnais pas dans vos actions là. Non. Faites vos affaires et laissez-nous tranquilles. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai laissé couler la vidéo, mais nous allons la reprendre. Parce qu'il faut qu'on mette des petits points, des petits blocages pour vous expliquer les choses. Oui, c'est important. Parce que Fabrice Lago dit, Monsieur Kone Katina est parti sous invitation d'une société civile. Je vous ai fait la démonstration que Monsieur le pushiste Ibrahim a déjà pris un arrêté où il a suspendu toutes les activités des sociétés civiles, toutes les activités des partis politiques. Et je vous fais une démonstration en vous mettant cette vidéo de cette fille de société civile, une actrice de la société civile du Burkina Faso, et donc qui n'est pas favorable aux agissements de Ibrahim Traoré, le putschiste, vous expliquez les choses. Donc Fabrice Lago, il n'est pas au courant. Appelez-le, invitez les gens du PPSC pour dire venez sur l'insérie, il va vous instruire. C'est pas difficile. On va tous écouter encore la femme. On va réécouter cette vidéo-là. D'ailleurs, il faut reconnaître que Ibrahim Traoré, quand il est venu, depuis qu'il est venu, il a suspendu toutes les activités des organisations de la société civile et des partis politiques. Aujourd'hui, seules les personnes qui acclament Ibrahim Traoré ont le droit de manifester, ont le droit d'organiser quoi que ce soit. Pause ! On va mettre pause, madame, pardon, pause. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Que depuis que M. Ibrahim Kakaoué a pris le pouvoir, il a interdit, il a annulé, il a supprimé toutes les activités des sociétés civiles. C'est pas moi qui le dis. Mais ça, là, c'est Biko. Il va dire qu'il ne savait pas. Si c'est pas là, dites-lui que moi, je lui dis ça. Donc, Kone Katina n'est pas parti sous invitation des sociétés civiles. Parce qu'il n'y a pas de sociétés civiles qui existent au Burkina Faso actuellement, à l'heure actuelle. On va continuer d'écouter la vidéo. De mener des activités de la société civile. Aucune autre personne n'a le droit. Eux, chaque deux semaines, 10 jours, ils sortent, ils les financent et ils sortent, ils font des choses, ils disent qu'ils soutiennent la transition. Je suis désolée. Vous ne parlez pas au nom de toute la société civile. Hein. Je suis désolée parce que toute la société civile qui est reconnue, que ce soit au niveau national et international, aucune personne n'a le droit de mener une activité des organisations de la société civile. Donc je voudrais à travers... Pause. Aucune société civile reconnue par les organisations internationales ne mène une activité au Burkina Faso. Fabrice Lago, monsieur le dactylographe de Stéphane Kipré, à quel moment, quel est le nom de cette société civile-là qui a donc invité monsieur Kone Katina au Burkina Faso en ces temps qui courent là? Nous, on veut savoir. Moi, je suis curieuse de savoir et de comprendre. Chers Ivoiriens, continuez de partager le direct parce que le direct, ça baisse. Il faut monter le mercure, s'il vous plaît. Oui, il faut expliquer les choses aux Ivoiriens. À quel moment, quel est le nom de cette société civile-là qui a invité donc M. Kone Katina? Chers Ivoiriens, on va continuer d'écouter cette activiste du Burkina Faso, cette actrice de société civile. Écoutons-la jusqu'à la fin. Leur dire, si vous voulez faire votre affaire là, faites votre atalakou à Ibrahim. De toute façon, c'est lui qui vous a donné l'autorisation de tout faire, d'insulter tous ceux qui dénoncent et qui critiquent et de menacer tout le monde. C'est lui qui vous a donné la place de la révolution, qui est une place où personne n'a le droit d'aller s'installer en dehors des militaires. Une place pour y aller, il y a des conditionnalités.
Pour y avoir accès, il faut demander l'autorisation du maire central de Ouagadougou et du chef d'état-major général des armées. Vous y dormez, ils vous financent, vous faites tout ce que vous voulez, vous menacez tout le monde, vous parlez comme vous voulez, vous insultez les gens, vous prenez les réseaux en otage. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, Safiatou Lopez Fafier Zongo, je vous dis clairement aujourd'hui, vous n'allez pas, moi je ne me reconnais pas dans les actions que Ibrahim Traoré fait. Depuis que Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il enlève des gens. Il a formé une équipe de militaires encagoulés qui enlèvent des citoyens. Qui enlèvent des citoyens chez eux. Sur la route, vous avez vu le député Nijama qui avait été arrêté. Vous avez vu comment il a dit qu'on l'a arrêté. Il a expliqué comment il était arrêté à Ouagadougou après la prière où on l'a arrêté. On l'a enlevé avec son protocole. Donc je voudrais vous dire une chose. Vous avez choisi de suivre le mensonge, suivez le mensonge, mais ne prenez pas nous nos noms là, allez suivre votre mensonge là, parce que je ne me reconnais pas. En tant qu'organisation, en tant que membre des organisations de la société civile, je ne me reconnais pas dans vos actions là. Non, 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 faites vos affaires et laissez-nous tranquilles. Voilà, faites vos affaires et laissez-nous tranquilles. Laissez la société civile, laissez les Burkinabés tranquilles. Monsieur Fabrice Lago, alias Sebiko, dit le dactylographe de Monsieur Stéphane Kipré. Tout ça, tu ne vas pas dire que tu n'es pas au courant, que tout ça, ça existe. Si tu n'es pas au courant, aujourd'hui, tu sais. Alors, je peux en déduire que cette organisation de la société civile qui a donc invité Monsieur Kone Katina au Burkina Faso est directement liée au putschiste Ibrahim Traoré. Quand je vous fais la démonstration et puis je vous fais écouter les actrices d'une société civile, des sociétés civiles au Burkina Faso, qui dit clairement que il n'y a aucune société civile qui fonctionne au Burkina Faso. Il n'y a aucun autre parti politique qui peut lever la voix au Burkina Faso et que c'est que les associations qui soutiennent M. Ibrahim Traoré, le putschiste, qui fonctionnent, qui ont le droit de manifester au Burkina Faso. Nous comprenons aisément que M. Kone Katina a été invité par M. Ibrahim Traoré, le putschiste du Burkina Faso. Alors, chers Ivoiriens, Ibrahim Traoré dit les os, c'est-à-dire les organisations des nations, des organisations des sociétés civiles, sont interdites. Sont interdites à part, comment on appelle ça, à part celles qui sont autorisées, enfin la dame là, à part celles qui sont autorisées, n'est-ce pas, à soutenir M. Ibrahim Traoré, dit le putschiste. Nous allons aller écouter ça. Nous allons écouter les propos de M. le putschiste. Et puis, nous allons revenir à notre développement. Chers Ivoiriens, on va écouter tous ensemble cette vidéo-là. Les OSC qui mènent des activités animales des partis politiques. Les OSC qui mènent des activités, quelle activité? Les organisations de la société civile qui soutiennent... Les marches, les meetings. Là. Les meetings et autres. Vous êtes sûr que c'est des OSC? C'est le peuple. Parce que quand vous dites OSC, ce sont généralement des gens qui ont peut-être... voilà. Le ressenti général, est-ce qu'il y a peut-être du 2.2 mesures? Non, c'est un phénomène spontané. Ce n'est pas forcément une OSC qui organise une activité ou truc. C'est un phénomène spontané. C'est la masse populaire qui a compris et qui soutient. Donc là, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément une OSC qui s'est levée pour organiser un événement. De toute façon, on a suspendu pour des mesures de sécurité et au besoin, on analyse la situation, on va lever. On a suspendu pour des mesures de sécurité. Si Biko, où ta société civile, elle est quittée où? Qui a invité M. Kone Katina? Alors, plus loin dans ses propos, Fabrice Lago, alias Si Biko, dit que M. Kone Katina a fait les éloges, oui, a fait les éloges du putschiste Ibrahim Traoré en disant que c'est un héros. Voilà, que monsieur le putschiste est un héros. Parce que celui-ci a reconnu que monsieur Laurent Gbagbo a été
diabolisé par les médias, par la presse et tout ça, afin de salir son image. C'est ce que nous explique M. Fabrice Labeaume. Vous allez l'écouter ici, vous allez écouter son propos. Et puis, nous allons poursuivre, chers Ivoiriens. Voilà, on va faire ça. Tout à l'heure, j'entends, il a encensé le régime. Et personne n'est en mesure de me dire les propos exacts tenus par M. Katinan qui seraient de nature à encenser le régime. Peut-être ils font allusion au fait qu'il a été traité de héros. Non, parce que, oui, oui, allons-y. Allons-y doucement, allez-y, allez-y. Quand M. Katinan dit, il y a une comtesse, parce que dans ce pays, le Burkina Faso, on a instrumentalisé toute une nation. Et ce n'est pas Katinan celui qui l'a dit, c'est l'actuel chef de l'État, Burkinabé, qui l'a dit. Il dit, on nous a instrumentalisé, on nous a menti sur Laurent Gbagbo, qu'on nous a fait détester. C'est lui qui le dit. Et quand c'est dans ce pays, M. Katinan se retrouve là-bas, envoyé par le président Laurent Gbagbo, mais il a de la mémoire, il est obligé de rappeler qu'on a instrumentalisé quand même ce pays, on a instrumentalisé les ressortissants de ce pays. Donc, ce sont des choses là. Pause. Alors donc, M. Laurent Gbagbo a une mémoire de comprendre que le putschiste a reconnu qu'ils ont été instrumentalisés. Voilà comment les gens qui soutiennent M. Laurent Gbagbo, eux-mêmes, ils rabaissent M. Laurent Gbagbo. Oh, donc, M. Laurent Gbagbo a une mémoire. Mais M. Laurent Gbagbo n'a pas eu de mémoire quand il s'agit des Ivoiriens. Quand il s'agit de reconnaître que les Ivoiriens ont pris d'assaut le pavé de Paris. Lui n'a pas reconnu ça. M. Laurent Gbagbo n'a pas de mémoire quand on lui demande. Pourquoi il n'arrive pas à dire pardon, qu'il n'arrive pas à dire pardon aux Ivoiriens? M. Laurent Gbagbo n'a pas de mémoire, parce que pour M. Laurent Gbagbo, il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il a été libéré pour insuffisance de preuves par la CPI. M. Laurent Gbagbo, pour lui, il est blanc comme neige. Donc, il n'a pas à demander pardon aux Ivoiriens. Il n'a même pas allé s'incliner sur la tombe de Bohou Boabré, de M. Gossio, de M. Atebi, et tout, et j'en passe, de nombreux Ivoiriens, M. Laurent Gbagbo n'a pas cette mémoire-là. Qu'à un moment donné de sa vie, ces gens soient lui apporté le soutien. Oh, donc, M. Laurent Gbagbo a une mémoire. Mais M. Laurent Gbagbo ne se souvient même pas de ce qui s'est passé hier à la prison avec Charles Blé Goudé. M. Laurent Gbagbo a une mémoire. C'est ce que Sibiko est en train de nous dire ici, chers Ivoiriens. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Vous voyez, quand on fait ce genre de vidéos, c'est pour attirer votre attention. On va l'écouter jusqu'au bout. Et en train de se remettre en place. Donc, il nous relève d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, j'entends, il a encensé le régime. Et personne n'est en mesure de me dire les propos exacts tenus par M. Katinan qui seraient de nature à encenser le régime. Peut-être ils font allusion au fait qu'il a été traité de héros. Non, parce que, oui, oui, allons-y. Allons-y doucement, allez-y, allez-y. Quand M. Katinan dit, il y a une comtesse, parce que dans ce pays, le Burkina Faso, on a instrumentalisé toute une nation. Et ce n'est pas Katinan celui qui l'a dit, c'est l'actuel chef de l'État, Burkinabé, qui l'a dit. Il dit, on nous a instrumentalisé, on nous a menti sur Laurent Gbagbo, qu'on nous a fait détester. C'est lui qui le dit. Et quand c'est dans ce pays, M. Katinan se retrouve là-bas, envoyé par le président Laurent Gbagbo, mais il a de la mémoire, il est obligé de rappeler qu'on a instrumentalisé quand même ce pays, on a instrumentalisé les ressortissants de ce pays. Donc, ce sont des choses, la vérité, et en train de se remettre en place. Donc, il le relève d'abord. On peut faire ça. On a instrumentalisé les Burkinabés. Ah ouais, non, les gens du PPAC, vous êtes forts dans le mensonge. Vous êtes forts. Alors, Fabrice Labeaume, alias Sibiko, l'apprenti menteur de M. Stéphane Kipré et M. Laurent Gbagbo, donc. Oui, on va dire ça comme ça parce que je suis dépassée. Ah, là encore, tu viens de mentir grossièrement devant les Ivoiriens, devant le monde entier. Kone Katina a dit que M. Ibrahim Traoré a reconnu
la diabolisation contre Laurent Gbagbo. Oui, oui. Et en même temps, il a dit qu'il était temps de féliciter nos héros. C'est ce que M. Kone Katine a dit. Il était temps de féliciter nos héros et que sont M. Laurent Gbagbo, M. Ibrahim Traoré, le pushiste, M. le pushiste de Asmi Koïta et le pushiste du Niger, M. Tiani. C'est ce que Kone Katine a dit. Fabrice Lago, c'est Biko. En quoi M. Laurent Gbagbo est un héros? En quoi M. Laurent Gbagbo est un héros qu'on demande de féliciter? À qui on dit aux Ivoiriens de le féliciter parce que c'est un héros? En quoi il a été héros? Mais ça aussi, quand on vous demande ça, vous allez trouver que bon, on critique M. Laurent Gbagbo, on dit des choses. Mais on veut comprendre, M. Laurent Gbagbo est héros en comment? Alors, dès la prise du pouvoir, on va dire ça, dès la prise de pouvoir de M. Laurent Gbagbo, un charnier donc de plus de 300 militants du RDR est ressortissant, n'est-ce pas, des pays de l'Ouest africain, dont les Ivoiriens du Nord, les Burkinabés, les Maliens, et puis quoi encore, les Nigériens, les Guinéens, mais a été découvert à Yopougon le 27 octobre de l'an 2000. Ou bien si Biko n'était pas né, il a quel âge si Biko là? Donnez-nous son âge. Il a quel âge? Ça aussi, il va dire qu'il ne savait pas. Mais ils ont découvert ce charnier là. Donc, en quoi M. Laurent Gbagbo est un héros national? En quoi? Ça dit que M. Laurent Gbagbo est président de la République de Côte d'Ivoire. Déjà en octobre 2000 là, le 27 octobre 2000, ils ont découvert un charnier de 300 personnes. Ils ont découvert ça à Yopougon. Bon. Peut-être que c'est à cause de ça qu'on doit dire que M. Laurent Gbagbo est un héros national. Et donc, pourquoi M. Kone Katina veut nous faire croire que Ibrahim Traoré a dit la vérité? C'est en quoi il a dit la vérité? Quelle est la vérité d'Ibrahim Traoré? Alors, comme quoi qu'une certaine presse aurait à diaboliser M. Laurent Gbagbo. Les faits sont les faits. Alors, sous M. Laurent Gbagbo, le peuple du Nord était massacré. Vous voulez qu'à chaque fois, on réveille les vieux démons, mais on est obligé de faire ça parce qu'il y a des jeunes gens qui sont parmi nous qui ne sont pas au courant des choses. On va tous regarder et puis écouter cette vidéo-là ensemble. Et puis, on va apporter un peu d'instruction à monsieur... comment il s'appelle? C'est Biko. Nous sommes tous persuadés qu'avec le départ du général Gay, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gay. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes... Au décompte, étaient les ressortissants du Nord. Les gens étaient bel et bien tués. Les gendarmes qui les ont tués ont littéralement reconnu qu'ils les ont tués. C'est ça. Et qui, s'ils avaient à le faire, ils le referaient. Ils ont donc méprisé les juges au tribunal. Ils étaient là avec leur Kalachnikov,
Ils ont menacé les gens. Ils n'ont pas été punis. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons beaucoup discuté des questions sécuritaires, la nécessité de faire en sorte que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines, qu'elles ne prennent pas parti pour tel ou tel groupe ou parti, et qu'elles fassent leur travail comme les forces de l'ordre doivent le faire, sans brutalité, sans tuerie. Mais pour protester contre la persécution de ces militants et récuser la victoire de Laurent Gbagbo au présidentiel, le parti d'Alassane Ouattara avait boycotté les élections législatives organisées dans la foulée, si bien qu'elles n'avaient pu avoir lieu dans ce nord qui semblait se détacher sans retour du reste de la Côte d'Ivoire. Et comme si le massacre d'octobre 2000 avait libéré les forces de la division que le vieux avait conjurée durant tout son règne, une éruption sans précédent se préparait à présent dans les profondeurs du pays que 10 ans de rivalité pour le pouvoir avait transformé en volcan. Voilà. Alors, quand on montre des choses aussi douloureuses, c'est pour vous faire comprendre que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas renverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas effacer un certain nombre de choses. Parce que oui, ça a été. Oui, les gens du RDR en son temps ont pleuré leur mort. Ils ont enterré leurs cadavres. Ils ont enterré leurs militants. Ils ont enterré leurs enfants. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, si Biko. Donc, c'est à cause de ça, là. M. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en octobre déjà, 2000, là. Et puis, les gens mouraient comme ça, là. C'est à cause de ça que M. Laurent Gbagbo était un héros de la nation. Moi, je montre tout ça, là, pour demander que si c'est à cause de ça, on doit dire M. Laurent Gbagbo est héros. Bah, qu'est-ce que vous voulez? On va dire qu'il est héros. Héros parce qu'il a pris le pouvoir. Dès qu'il a pris le pouvoir, les gens sont morts. Par dizaines. Donc, il est héros, oui, il est héros. Il est héros parce que quand lui, il se met là, quand il dit il prend le pouvoir, là, c'est le sang, puis c'est les cadavres. Donc, oui, il est héros. C'est Biko. Pour ça, à ce moment, on ne va pas vous arracher ça. Donc, M. Laurent Gbagbo est héros. Si c'est pour tout ce que je viens de montrer là, il est héros. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Fabrice Lago, alias C'est Biko, l'apprenti, donc menteur de M. Stéphane Kipré, sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, des femmes du Nord ont été violés aussi. Ça aussi, à cause de ça, on doit lui dire merci. On doit lui dire héros. Oui, M. Laurent Gbagbo est héros. Parce que sur son pouvoir, il ne peut pas garantir la sécurité des gens. Les gens se font violer. Et donc, oui, c'est un héros. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons regarder ensemble cette vidéo-là. La police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois, me lançaient des coups de poing, ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre un matra, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une devise de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça, c'est mon problème. Hein? Imbécile, là. Tonnerre, là. Imbécile, écarte, tonnerre, là. J'écarte mes jambes, on met le sac dans mon sac, on prend le matra, on met dans mon sac. On me tape dans le cercle. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirien, mais je suis tout là. Et à votre avis, c'est pour cela? Oui. Que vous en veut? Oui, parce que je suis tout là. Avant, ça ne faisait, on ne faisait pas des trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens. Pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne ivoirienne, telle personne est là,
Que personne n'est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bagbo que tout se passe en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et mais je vous dis que ça continue toujours. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gourou, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien, tu es Ivoirien. On avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Bon, souvent, des choses comme ça sont tellement douloureuses qu'on ne sait même pas comment faire les directs. Mais nous sommes bien obligés d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller prendre le passé douloureux pour venir remettre ça, pour expliquer les choses dans leur contexte aux Ivoiriens. Parce que nous avons en face de nous une opposition manipulatrice. Parce que nous avons en face de nous des menteurs. Donc nous sommes obligés d'aller réveiller toutes ces choses-là. Moi-même étant femme, je fais l'émission, mais je ne suis même pas bien de faire cette émission quand j'arrive sur ces vidéos-là. Parce que oui, c'est un passé douloureux. C'est douloureux tout ça. Ça fait mal. C'est pour ça que nous essayons de faire l'effort de parler de cohésion, de parler de paix, de parler du vivre ensemble, de parler de cohésion. Parce que oui, la Côte d'Ivoire a souffert. Parce que oui, nous avons été déchirés. Parce que oui, nous avons été manipulés pour nous détester les uns contre les autres. Donc aujourd'hui, là, vous n'allez pas remettre le couvert. Non, ça ne passera pas. On ne va pas accepter que ces choses-là se passent en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, comment ils veulent faire croire que M. Laurent Gbagbo est un saint qui a été accusé injustement? Comment, quand on a toutes ces vidéos-là, quand on a toutes ces preuves-là, comment on peut faire croire à une partie de la population ivoirienne ou même à la communauté nationale et internationale que M. Laurent Gbagbo est un saint? Comment? Comment vous voudriez que nous nous comportons quand on sait et quand nous avons toutes ces preuves-là? Chers Ivoiriens, et qui a jamais, qui n'a jamais du mal, que M. Laurent Gbagbo n'a jamais fait du mal aux étrangers de l'Afrique de l'Ouest? C'est ce que Fabrice Laoué est en train de dire. Parce que Ibrahim, le putschiste, d'après lui, il a été manipulé. Sa communauté et lui ont été manipulés pour détester M. Laurent Gbagbo. Et que M. Laurent Gbagbo n'avait pas des problèmes avec les gens de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter encore une autre vidéo douloureuse. On va y aller ensemble. Tout ça, c'est sous le règne de M. Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si c'est la même vidéo. Ok. Ok, d'accord. On va aller là. Vous avez pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est le juge, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. C'est ça. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la vie. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui s'aiment. Et à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme quand le chef suprême des armées déclare en public... Chers Ivoiriens, nous allons reprendre la vidéo. Excusez-moi. Nous allons reprendre la vidéo parce que c'est trop douloureux. On va reprendre ça. On va reprendre ça et puis vous allez écouter tous ces propos-là.
Voilà. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est le juge, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme ? Quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. Dans la vague des tueries et massacres qui ont suivi la reprise de la ville de Daloa aux rebelles par l'armée régulière, Touré Nanyuma a perdu son fils, jeune adolescent dont elle n'a jamais retrouvé le corps. 10 ans après le drame qui l'a frappé, Touré Nanyuma reste inconsolable. La douleur est là, profonde, mais bien visible. Orli la mgo faka la fokata na danga. Nu kiye kono ko chele biye. Nala san kono ni bo le fengro be faka. Ni e jura le feno be faka. O baka la jura chama ka maka faka o site ivarien o chama yere maliyan ne ane la gineka. Mo ko jura se jura. Ivarien o Malien, Burkina Faso, Ladinekao, nous qui jura fin fin, au Bafra, au jura c'est jura, au te jura ou le malaka bo jura la tourne. Des étrangers ont en effet été endeuillés dans cette ville de Daloa, où des centaines de personnes seront assassinées. C'est Mama Touré qui avait découvert le corps de son oncle, Eladj Bakary Touré, riche commerçant malien enlevé en octobre 2002 en compagnie de son frère, par des militaires sous les ordres de Laurent Gbagbo. Il a fallu des jours et des jours pour convaincre Mama Touré de revenir en ces lieux. On est venu voir, il y avait plusieurs corps ici. C'est pas... On a regardé, il y a d'autres même qu'on ne peut même pas regarder, leur figure était partie, bon, c'est pas... Donc je me suis dirigé vers là-bas, là. J'étais allé trouver lui. Avec son petit frère, avec son tailleur. Bon. 10 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Et c'est toute la famille qui reste inconsolable. Les souvenirs des douloureuses épreuves reviennent. Avec eux, les larmes. Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir
pour exprimer sa violence. Ça là, Ibrahim Kakao, c'est une opinion, il sait pas ça. Ben, il était jeune. Il n'a pas vécu ça. Lui qui dit qu'il a été manipulé. Des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachep Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en 1962 de nationalité Mohamed Kamara. Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Chers Ivoiriens, vidéo la prenez, donnez à Sibiko Mortani. Ça là, c'est pas Solène Série qui a fabriqué ça. C'est tout ça là qu'on dit on va laisser dans les tiroirs. Mais allons à la paix progressive. Allons à la cohésion sociale. Parce que c'est un passé très, très, très douloureux pour chacun d'entre nous. Voilà. Qu'importe le bord politique qu'on avait, mais chacun d'entre nous a vécu cette histoire en Côte d'Ivoire. Toutes les crises, pour nous qui ne sommes pas morts, pour nous qui sommes restés vivants, nous avons chacun a une marque indélébile de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, encore un peu plus loin dans ses propos, coloré de manipulation, hein, de roubladise. M. Fabrice Lago dit que M. Kone Katina a fait les éloges du putschiste Ibrahim Traoré en disant que c'est un héros parce qu'il a combattu, parce que le combat, il a combattu quoi, les terroristes, et il les chasse, parce qu'il combat les terroristes et il les chasse du territoire burkinabé. Chers Ivoiriens, est-ce que Fabrice Lago est sérieux? On va écouter sa vidéo là. On va écouter ça. Ensuite, il constate que ces pays-là sont, comme l'a dit le secrétaire général du PPAC, ils sont en but avec le terrorisme. Et qu'on le veuille ou pas, les chefs d'État de ces pays se battent au quotidien pour chasser les terroristes de leur pays. Donc ce sont des héros parce qu'ils défendent leur population. On va réécouter ça, pardonnez. Pardonnez, la vidéo est restée branchée sur moi. Ensuite, il constate que ces pays-là sont, comme l'a dit le secrétaire général du PPAC, ils sont en but avec le terrorisme. Et qu'on le veuille ou pas, les chefs d'État de ces pays se battent au quotidien pour chasser les terroristes de leur pays. Donc ce sont des héros parce qu'ils défendent leur population. Voilà. Il ment encore. Il ment comme il respire, ce monsieur-là. Alors, chers Ivoiriens, là encore, je dis bien là encore, M. Fabrice Lago, alias Sibiko, là encore, tu as menti. Oui, ceux qui combattent les différents pouvoirs en place au Burkina Faso sont des dignes fils du Burkina Faso, habitants dans des régions abandonnées. Oui, ce sont les dignes fils de Burkina Faso qui combattent les terroristes tous les jours. Ce ne sont pas les Ibrahim Kakao. Non. Malheureusement, ceux-là, ils habitent dans des provinces. Ce sont eux qui combattent les terroristes, ce n'est pas Ibrahim. Ce sont eux, les Burkinabés. Et ce sont eux qui se révoltent aujourd'hui contre les différents pouvoirs en place. Oui. Afin de réclamer qu'on s'occupe d'eux et de leur région enclavée. Ceux qui ont battu, ceux qui se battent pour les terroristes, ils sont laissés pour compte. Aujourd'hui, là, eux tous, ils réclament qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe de leur région. Donc, c'est un gros mensonge de faire croire à l'opinion nationale et internationale que M. Ibrahim Traoré combat les terroristes. Non, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ne sont pas envoyés. Ce sont eux qui combattent les terroristes. Ce sont eux qui luttent avec les terroristes. Ibrahim Kakao, oui, il est assis là-bas. Là. Il ne fait rien pour éloigner les terroristes. Mais ça encore, vous, ce sont les gens, vous les gens de PPACI, là, c'est vous seuls qui avez les yeux pour voir que M. Ibrahim Kakao là, combat les terroristes. Chers Ivoiriens, je disais que si Biko, je vais encore te faire écouter
le putschiste Ibrahim Traoré lui-même, et il va t'informer que ces soi-disant terroristes sont des Burkinabés. Oui, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont les terroristes. On va écouter cette vidéo de Ibe Kakao. On va écouter ça tous ensemble. J'espère que la vidéo marchera parce que ici elle ne me marque rien. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Souvent, je me pose pourquoi la question, je me demande pour, d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Écoutez tout ça. Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mm-hmm. J'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied. À pied. À travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Deou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Markoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Pause. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Monsieur Fabrice Lago, ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont créé cette situation. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Et c'est Ibe Kakao qui dit ça, hein? Écoutez-le. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Mm-hmm. À cause de nos intérêts égoïstes. À cause de nos intérêts égoïstes, on a abandonné certains peuples du Burkina Faso. On pense qu'à nous, comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Mm-hmm. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Ah, d'accord. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Ah bon? Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Ah. Le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. Ah, d'accord. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo. Les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent en allant à Nassoumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétécoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mm-hmm. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Ce sont les Français qui vous ont empêché. Que chacun fasse une introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est vous-même. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansila, de Tankwalu et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable?
Quand un seul fleuve, la Sirwa, empêche que quelqu'un quitte Mansila vers l'arrière en saison pluvieuse. Pendant combien d'années, on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirwa pour les Angles, pour les permettre de communiquer avec le Burkina. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirwa. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent par contre pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Donc ce n'était pas la Côte d'Ivoire. Qu'avons-nous fait? D'accord. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, alors, tu vas l'expliquer, ce ne sont pas les terroristes, ce sont les dignes fils du Burkina Faso qui se sont révoltés et les mauvaises langues les appellent les terroristes. D'accord. Voilà. Pendant que moi, je vous expliquais, je vous disais que c'était les terroristes. En fait, ce n'était pas les terroristes qui se sont révoltés. Ce sont les dignes fils du Burkina Faso qui ont toujours combattu pour que le Burkina, pour que le développement arrive chez eux, pour qu'ils ne soient pas oubliés là. Ce sont eux qui se sont révoltés. Et c'est ceux-là que les gens appellent les terroristes. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand vous écoutez le discours d'Ibrahim Kakao là, c'est la Côte d'Ivoire qui les empêchait de développer chez eux là. C'est la France qui les empêchait de développer les villes ou les villages que lui, Ibrahim Kakao, il dit, il a fait là. C'était la Côte d'Ivoire. Pour faire croire aux gens que Gbagbo Laurent a été, ils ont diabolisé. Donc, le fait qu'ils aient diabolisé Gbagbo Laurent, on vous a dit que c'est Gbagbo Laurent qui empêchait le développement chez vous? Non. Donc, ça n'a pas de sens, M. Fabrice Lago. Je ne sais pas quel moyen tu vas utiliser pour pouvoir défendre M. Laurent Gbagbo, mais ça n'a pas de sens. Ça ne peut même pas passer parce que ça pue la manipulation. Et la manipulation ne peut plus passer. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était là mon petit direct de ce soir pour vous dire que je suis là, je suis toujours en Côte d'Ivoire, mais je suis très occupée. De temps en temps, je ferai des petites sorties comme ça. Voilà. J'espère que vous avez compris le sens de ma vidéo. C'était pour mettre juste à nu le mensonge de Fabrice Lago qui a été envoyé par ses pairs pour venir distraire le peuple de Côte d'Ivoire, pour venir faire croire au peuple de Côte d'Ivoire que M. Kone Katina avait été invité par une société civile. Depuis que M. le Pouchiste a pris le pouvoir, il n'y a aucune société civile qui existe au Burkina Faso. C'est ça que vous devez retenir. Les seules sociétés civiles qui fonctionnent au Burkina Faso, c'est ceux qui font les éloges du Pouchiste Ibrahim Traoré. Et donc, si c'est ceux-là qui ont invité M. Kone Katina, ça veut dire tout simplement que c'est M. le Pouchiste qui a invité Kone Katina. Et c'est ce que vous devez comprendre. Kone Katina n'est pas patriote. Parce que s'il était patriote, il devait comprendre qu'en ces temps qui courent, où la Côte d'Ivoire est accusée à tort par Ibrahim Traoré, qui dit qu'il y a des preuves de ce que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso, ces preuves-là, on a assis par terre depuis, on les attend, les preuves-là ne sont pas encore arrivées. Donc, nous devons condamner tous l'attitude et l'acte que a posé M. Kone Katina en partant, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi chez vous. Paix dans vos familles, paix dans vos cœurs. Et puis, à très bientôt, si Dieu le veut. Au revoir.